Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un sujet polémique. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de Nicolas Sarkozy et de son rôle dans le décès de Monsieur Kadhafi. Donc, c'est un sujet qui risque d'être peut-être censuré, je ne sais pas. Peu importe, j'ai décidé de procéder à ce tirage suite à son interview d'hier soir sur le plateau de TF1 quand il a présenté son livre et qu'en toute fin d'intervention, il a assuré ne jamais avoir menti. Donc je suis vraiment très intéressée, puisque même très étonnée qu'il ait pu affirmer de cette façon si définitive qu'il n'avait jamais abusé de son pouvoir, qu'il n'avait jamais menti au peuple. Donc, nous allons vérifier ensemble cette information. Et puis, par la suite, nous irons voir vraiment au sujet du financement libyen, ce qu'il en est. Alors, je précise ici que je parle au conditionnel, que je vous demande d'être respectueux dans vos commentaires, puisqu'il s'agit d'une personnalité publique, mais également d'un être humain. Et mon objectif ici est d'avoir quelques informations. Je rappelle que je ne prétends avoir aucun savoir au-delà de ce que la justice décidera dans cette affaire. Néanmoins, il me semble quand même intéressant de pouvoir s'assurer que cet ancien président ne soit pas inquiété non plus de manière totalement fortuite ou malencontreuse dans cette affaire, on va dire. Voilà, donc je vous invite effectivement à beaucoup de respect dans vos commentaires. Je vous demanderai s'il vous plaît, vous pouvez bien entendu exprimer vos opinions et ça c'est l'objectif aussi de cette chaîne. Mais s'il est possible pour vous de respecter l'opinion de chacun justement pour qu'il n'y ait pas d'appel à la haine ou à la colère ou autre. Je n'aime pas du tout l'idée de devoir désactiver les commentaires. On me l'avait suggéré pour me préserver moi-même, mais ce n'est pas ma façon de fonctionner totalement. Je préfère bloquer les idiots ou les gens qui me font des réflexions inutiles du type « Mon Dieu, quelle honte, vous devriez avoir honte de vos tirages. » Mais si ça ne vous va pas, allez voir ailleurs. Par contre, là, on parle d'une personne qui n'est pas encore jugée sur l'affaire libyenne. Et j'aimerais du coup qu'on soit tous et toutes protégés en utilisant le conditionnel. Allez, c'est parti, nous allons donc regarder ce que Monsieur Sarkozy a donc pu effectuer durant son mandat et vérifier si, comme il l'a dit, il n'avait effectivement jamais menti au peuple français. J'ai le domicile avec le procès. Bon, bah alors ça, j'ai fait exprès de tirer en même temps que je vous parlais. Et finalement, j'en suis ravie. Il n'y a pas d'autre possible ainsi. Nous avons donc ce 10 de coupe qui arrive en premier lieu et qui nous parle d'un homme qui a été très honoré, qui a connu un grand succès et qui a été dans un certain sens porté au nu. Il a été vraiment très, très, on va dire, adulé. Donc, il a connu une véritable période où il a eu tout un honneur. Et nous avons le procès qui arrive. Et là, on nous dit qu'il n'aurait pas dû faire de procès à la légère, surtout, et qu'on devrait continuer à avoir un excellent avocat pour le protéger. Donc, voilà ce qu'on peut me dire déjà tout de suite sur par rapport à ce que M. Sarkozy a pu dire hier et à ses engagements. Eh bien, visiblement, déjà, c'est dissonant. L'obstruction et les rentrées d'argent.
Alors, nous avons dans plusieurs affaires le nom de M. Sarkozy qui ressort. Et certaines affaires ont été jugées, d'autres non, pas encore. Pour certaines qui ont été jugées relativement récemment, il a été condamné notamment à 1 an de prison ou à une peine aménageable certainement avec bracelet électronique. En tout cas, il a refusé d'en parler aux journalistes de TF1 hier. Et c'était pour l'affaire du Pygmalion. Donc là, on nous parle d'obstruction. Et on nous dit avec cette carte que quelqu'un s'est mis en fait à l'intérieur de ses propres projets. Quelqu'un est venu l'interrompre là où il aurait pensé, visiblement, pouvoir obtenir quelque chose de plus intéressant. Et pourquoi ces choses étaient plus intéressantes? Eh bien, semble-t-il, on nous parle de rentrée d'argent et elles ont dû être visiblement soit interrompues, soit vraiment énormément retardées. En tout cas, on nous dit ici qu'il n'y aura pas de problématique pour lui hein, au niveau de cet argent. Non pas qu'il va le toucher ou non, mais il n'est pas dans le besoin. Néanmoins, ici, quelqu'un a bloqué une certaine somme qui lui était due à ses yeux. Les jeux de hasard et le décès. Alors, jeu de hasard, c'est une carte qui nous indique ici une tendance à quelqu'un qui aurait. Alors, bien entendu, hein, on parle d'une personne très réfléchie et d'une personne très intelligente, hein, donc pas quelqu'un qui laisse le hasard décider, mais quelqu'un qui aurait bénéficié d'un certain coup de pouce du destin. Il a pu, à un moment donné, s'en sortir parce qu'il a eu les bonnes connexions. Et malheureusement aujourd'hui, avec la carte du décès qui survient, j'ai peur que. Enfin, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Mais en tout cas, cela peut dire que ces relations qui étaient présentes longtemps autour de lui, plus ou moins laissaient tomber ce personnage. On lui conseille d'ailleurs de faire attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait encore être trahi. Et on nous dit ici qu'il devrait faire attention aux imprudences sur ses projets. Donc, s'il a des projets en cours, qu'il ne se doute pas qu'il est encore très surveillé, que c'est quelqu'un qui pense peut-être parfois de manière un petit peu. Je sens une certaine lassitude, voilà ce que j'ai envie de dire, et quelqu'un qui n'a pas envie, hein, semble-t-il, de revenir sur la scène politique. Mais quelqu'un qui est quand même très intéressé par celle-ci, et on lui conseillerait pour le moment, en tout cas, de ne prendre aucune initiative. Je pense que sa situation personnelle ici ressort et nous indique qu'il n'aurait aucun succès si tel était le cas. D'ailleurs, hier, ils lui ont posé la question sur Monsieur Darmanin, qui est un peu son poulain, entre guillemets, en tout cas un candidat qu'il apprécie, pour savoir s'il imaginerait qu'il soit présidentiable. Il est resté plutôt flou en disant qu'il restait encore de nombreuses années avant ça, mais qu'il n'y verrait pas de problème. Donc, Monsieur Darmanin, nous verrons ce qu'il en sera pour les prochaines candidatures à la présidence. Et oui, là pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer autour de Monsieur Sarkozy. Je suis désolée, j'ai eu un petit moment de bug. Je ressens une menace. Clairement. Alors, je pense que le sujet qu'on va regarder par la suite concernant la Libye n'y est pas pour rien. Mais je sens qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. Il y a des gens qui veulent se venger. Hein. Il a beau dire n'avoir fait de mal à personne. D'ailleurs, il le sait. Hein. C'est quelqu'un qui ne vit pas sereinement. Il n'est pas apaisé du tout. Du tout, du tout. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a notion quand même des risques encourus. Pour moi, il est au courant aussi, ici, avec ces deux cartes qui sont sorties, que dans son dos, il y a des complots. Hein. Pour moi, il est évident qu'il a connaissance de complots qui ont lieu contre lui. Ça lui crée vraiment des incertitudes, d'ailleurs, dans sa façon de se comporter. Financièrement, il risque de connaître aussi une perte assez importante ici. Alors sûrement à cause de ses procès, peut-être qu'il va avoir une somme à débourser qui est importante.
Ou alors il a quelqu'un à payer pour se tenir loin de certains opposants qui sont féroces. Je ne parle pas de corruption ici, je parle plutôt de sécurité personnelle. Donc avec la carte de la discussion, c'est quelqu'un qui s'exprime, ses amis sont au courant de ce qu'il pense. Il y a des gens autour de lui qui savent que ce n'est pas complètement fou, ni déraisonnable. Il a des inquiétudes qui sont fondées, Monsieur Sarkozy, semble-t-il. Il en a, en tout cas, dans le tirage que j'effectue au jour J, eh bien, on me montre qu'il y a vraiment autour de lui quelque chose qui ne le rassure pas. Alors, est-ce qu'il a eu récemment des menaces? J'en sais rien, mais il a conscience qu'il y a comme un étau qui se resserre. La folie. Avec le changement. Alors, la folie, sauf le respect que je lui dois. Bien entendu, on peut nous parler de troubles mentaux, on peut nous parler de... Voilà, mais on peut surtout nous parler de bêtises. D'avoir commis quelque chose de manière très imprudente, d'avoir fait quelque chose de totalement aberrant. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est produit qui n'a pas été sans conséquences pour lui. Il a eu, excusez-moi, encore une fois, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il a commis quelque chose de fou. Il le sait, il a notion de ça et il l'a mis en place pour obtenir quelque chose de l'ordre d'un grand changement. Donc j'ai un peu peur de penser à certaines choses comme le nouvel ordre mondial, des choses comme ça. En tout cas, c'est un projet un peu fou qu'il aurait eu. Et qui aurait tout de suite eh bien, fait fuir des gens autour de lui. Il y a des gens qui l'ont déconseillé de mettre ce projet en place. Il y a des gens qui l'ont fui à cause de ça. Est-ce que son ex-femme, par exemple, aurait pu être au courant? Pour moi, il y a vraiment même de l'ordre de la fuite sentimentale, familiale. Les surprises et la médiocrité. Bien. Alors, les surprises, bon, c'est plutôt une carte, elle, qui aurait pu annoncer quelque chose de très positif si elle avait été dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas. Ici, on me dit qu'il y a eu vraiment quelque chose d'inattendu qui lui est arrivé. Et quelque chose vraiment pour son ego qui a été très dur à accepter. Une mauvaise surprise. Et comme derrière, on a tout de suite la médiocrité qui nous est représentée. Je pense que cette surprise, entre guillemets, cette mauvaise surprise, donc ce piège, ce couteau dans le dos, provient de quelqu'un de qui il n'avait absolument aucune estime et qui a voulu l'humilier. C'est quelqu'un en plus qui n'était pas de son rang social, donc il a été victime d'une trahison. Ou il va l'être si c'est pas déjà fait, mais je pense que c'est fait. Et les retards. Ouais, pour moi, il n'a jamais choisi de partir du monde politique, vraiment. C'est pas forcément un choix, c'est toutes les conséquences des actes qui ont été, en tout cas, qui ont été soulevés et qui vont être ou ont été jugés par la justice. Et le 9 de bâton est là pour dire que, pour lui, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'amélioration. On peut penser ici vraiment à des ennuis encore qui vont durer. Et nous allons voir immédiatement si cela va être en lien avec la Libye et notamment avec Monsieur Kadhafi. Alors je vais mettre pause, le temps de ranger mes cartes, de pouvoir prendre le jeu de haut. Avec le jeu de haut, on va essayer d'avoir des réponses plus précises sur les relations entre Monsieur Sarkozy et Monsieur Kadhafi. Voir ce qu'il en était vraiment au-delà des apparences, au-delà de ce que nous avons pu voir derrière nos écrans de télévision. Eh bien, je vais essayer d'obtenir plus de renseignements sur les relations. Et puis après, nous étudierons éventuellement un potentiel lien, on va dire, entre le décès de Monsieur Kadhafi, qui, je le rappelle, qu'on aime ou pas cette personne, je tiens ici à vraiment m'adresser à sa famille. J'ai honte, mais honte de la façon dont ce monsieur a été affiché dans sa mort. On l'a traité pire qu'un animal.
Et ce qui fait que les personnes qui ont agi contre lui de cette façon ne valent pas mieux que ce qu'il lui reprochait. C'est devenu des véritables terroristes aussi de se comporter ainsi avec une personne, de le mettre à mort devant des caméras. C'est innommable, dégoûtant, répugnant. Tout comme j'ai trouvé ignoble la manière de nous montrer la façon dont ils ont traité Saddam Hussein, sorti d'un trou. Peu importe, bien sûr qu'ils ont dû commettre des horreurs, toutes ces personnes, mais ça ne fait pas des gens qui ont été les débusqués de meilleures personnes de les tuer de cette façon, sans aucun respect, sans respecter ni leur tradition, ni la foi, ni rien du tout, et encore plus d'une manière médiatique, je trouve ça mais répugnant. Je vois pas qui aujourd'hui est censé se réjouir, tout comme j'avais vu à l'époque des attentats du 11 septembre. J'étais en train de boire un verre et il y a des gens qui s'étaient réjouis à l'époque de ce qui s'était passé. Je ne parle pas de la réalité ou pas du 11 septembre, je parle du public, des gens. Moi, j'étais une adolescente à l'époque et je peux vous assurer que j'ai trouvé ça mais révoltant d'entendre ces gens se réjouir. Et malheureusement, en étudiant des phénomènes géopolitiques, on se rend compte de l'implication de certains pays dans des phénomènes ignobles pour toujours profiter de la richesse des autres et les exploiter. On a été très fort. Et aujourd'hui, je tiens quand même à présenter des excuses à mon nom propre. Ça n'engage que moi. Mais en tout cas, pour moi, j'ai honte, 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 honte de certains comportements. Je ne supporte pas l'idée que l'État français, quel qu'il soit, qui est toujours en train de proclamer la démocratie, la paix dans le monde et je ne sais quoi, tolère des agissements pareils sans prendre parole vraiment et sans au minimum se montrer amnésique des relations qu'ils ont pu avoir avec certains pays. Voilà mon point de vue par rapport à Monsieur Kadhafi. Alors, sa politique, je n'en parle pas, comme je ne parle pas de celle de la France, mais je parle simplement d'un être humain qui a été mais honteusement assassiné de manière révoltante. Et si vous êtes capable de penser que c'était justifié, je pense que vous pouvez vous remettre en question sincèrement sur la profondeur de votre humanité, parce que personne n'a jugé et personne n'a tué. Enlever la vie, c'est mal, okay? Quoi qu'il en soit. Ça peut paraître d'une banalité affligeante ce que je viens de dire, mais en réalité, aujourd'hui, quand on voit que certains policiers peuvent tuer des jeunes, que certains jeunes peuvent tuer des policiers, que la vie humaine globalement ne vaut rien pour certains, eh bien oui, je m'inquiète et oui, j'espère que les nouvelles générations, en tout cas sûrement pas celles qu'on a pu voir utiliser des armes, mais les autres qui ont une certaine intelligence, une certaine sensibilité, arriveront à sauver l'humain. J'ai vraiment foi en la jeunesse aujourd'hui parce que je suis maman et que mon fils a des valeurs qui me touche particulièrement et ses amis également. Donc j'ai foi encore en une certaine jeunesse intelligente et brillante qui ont des idées peut-être moins, comment je vais dire, pour moins capitalistes, avec peut-être plus de respect de l'humanité tout simplement. Allez, je vous retrouve tout de suite. J'ai eu le temps de brasser les cartes. Je vais juste prendre le deuxième jeu pour recouvrir celle-ci et je reviens immédiatement. Voilà les cartes. Donc, je suis désolée, hein, j'ai parlé un bon moment. Excusez-moi si ça ne vous intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça, pardon, où on doit parler un peu. Donc, les relations ici, j'ai demandé les relations entre Nicolas Sarkozy et Mohamed Kadhafi. Voilà, donc on a déjà l'esclave avec le serpent qui apparaissent. Ça ne s'invente pas. L'attitude avec le procès. D'accord. Donc il y en a un qui s'amusait à juger l'autre. Là, on parle de leur relation à eux. Partagée. Bon, alors déjà, ce que j'en pense pour le moment avec les cartes que je tire et ce que je ressens, c'est vraiment qu'il y a eu un abus, qu'on a mis une personne en confiance pour mieux l'utiliser. Ici, c'est la manipulation clairement qui ressort. Hein. Donc, on a utilisé, ils se sont utilisés ou l'un des deux a utilisé l'autre, se sentant plus puissant et plus fort, se permettant de le juger. Il y avait des partages d'informations importantes qui ont
manquer de faire échouer des projets, des plans, des règles. Détruire avec la maladie. Le rêve qui se solde par des chemins opposés. J'ai pas besoin d'en dire bien plus là. Pour moi, on nous dit vraiment bien les choses, hein, comme bien souvent. Donc, pour ceux qui ont encore la patience de m'écouter, j'ai envie de dire, pour moi, vraiment, on nous dit ici que les relations entre M. Sarkozy et M. Kadhafi étaient vraiment à la base une traîtrise, une manipulation. Je ne dirais pas qui profitait de l'autre parce que je pense que l'un dans l'autre, chacun était intéressé par les informations. Simplement, je pense qu'une personne particulièrement habile et bien entourée a su tirer son épingle du jeu. Alors effectivement, il y avait des plans, des choses qui étaient mises en place. Il y a eu certainement des accords qui ont été donnés et qui n'ont pas pu avoir lieu comme prévu. De toute façon, ici, la relation était foutue, hein, la relation était malade et l'objectif, c'était plus du tout le même, hein. On voit qu'on est sur des chemins qui se séparent complètement. J'ai la carte du mensonge ici avec le linge qu'on essore. Donc il y a vraiment un des deux protagonistes dans cette relation qui a su tirer son épingle du jeu, qui est toujours vivant. Et qui n'a pas eu peur, lui, de manipuler les masses. Il a menti à ne plus pouvoir. Donc, je ne dirai pas de nom ici et je vous laisse libre de penser à quelqu'un ou pas. En tout cas, dans ces deux personnages, pour moi, il y a vraiment eu un jeu de chat et de souris, quoi. Mais avec un gagnant complètement prévisible. Pour le moins, intimidé avec la solitude et l'isolement. On sait que, eh bien, d'un point de vue européen, OTAN, etc., c'était pas forcément Monsieur Kadhafi qui était le plus apprécié. En effet, il avait une certaine façon et un certain aplomb, on va dire, dans sa manière de prendre la parole. C'est quelqu'un qui était un personnage un peu atypique du Moyen-Orient. Et je pense qu'effectivement, il a pu à un moment donné se sentir rejeté par ses confrères et surtout pas pris au sérieux. Mais pour moi, il avait pris. Bien sûr que c'est une personne qui était très instruite et c'est quelqu'un qui avait pris le temps de pouvoir se remettre en question, apprendre de ses ennemis pour ne plus se faire avoir. Parce qu'il a déjà été trahi et il le savait très bien. Et malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout de cette prévention. Il n'a pas été au bout de ce qu'il avait pu apprendre de la vie. Et il a reculé et dans son foyer. Il a voulu se mettre à l'abri, mais il n'a pas pu. Bon, voilà les relations. Alors maintenant, je vais ranger ces cartes. Enfin, je vais les poser sur le côté. Et puis, on va regarder avec un autre jeu si oui ou non. La France a eu un rôle par rapport à... Non, pas la France. Comment je vais formuler ma question? Comment Nicolas Sarkozy voyait-il sa relation avec la Libye? Puisque l'affaire qui lui est reprochée, c'est le financement libyen. Donc on va peut-être sortir un peu de Monsieur Kadhafi et de ce tirage, et on va s'orienter sur le financement libyen, voir un petit peu, même si on est très proche de Kadhafi, hein, quand on parle de ça, mais on va voir ce qui lui est reproché, et on va voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'éventuelle responsabilité. Et puis, je pense qu'un autre jour, j'essaierai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, de faire un tirage sur le fils de Monsieur Kadhafi. Je pense que ça peut être très édifiant parce que je pense que ce monsieur n'a pas digéré la manière dont son père est mort
Et je pense pas qu'il ait vraiment oublié les personnes qui ont trahi sa famille. Donc je pense que ça peut être un tirage assez intéressant. Nous verrons si vous en êtes d'accord. Donc là, je vais prendre plusieurs cartes du tarot des oppositions. Je vais m'appuyer un peu sur les illustrations comme je fais d'habitude. Et puis, bon, bah, sur le symbolique, la symbolique du tarot, évidemment. Mais dans un premier temps, là, je vais quand même me reconcentrer en redemandant quelles étaient les ambitions de M. Sarkozy par rapport à à ce financement libyen, pardon. Quels étaient les vrais besoins et les pourparlers en cours. Je retourne l'ensemble des cartes et puis on va regarder. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, ça devrait être bon. Ici, la première carte est négative. C'est le 9 de Pentacle. Alors, cette carte est négative pas par sa couleur spécialement, mais par le sens, comme vous le savez, puisqu'elle arrive retournée, elle nous annonce un sens négatif. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a été gagné de manière indue. Et qui n'a pas rendu riche la personne financièrement. Alors, on nous parle tout de suite de l'aspect financier, hein. C'est quelqu'un qui attendait une certaine entrée d'argent, mais qui n'a pas pu obtenir. En tout cas, ça ne l'a pas rendu riche. J'ai vraiment beaucoup de. Attendez. Je comprends pas trop. Alors. Je me recentre, excusez-moi. Ok. Donc pour moi, l'information qui me vient, c'est qu'il y avait un vrai financement bien plus important, quelque chose qui était en cours et qui n'est pas forcément su. Il y avait vraiment beaucoup d'argent en jeu. Je ne sais pas si c'est lié à l'armement ou pas. Il y a quelque chose en contrepartie. On me montre en fait une espèce de valise dans laquelle il y a du cash. Et cette valise qui n'arrive pas au destinataire, je la vois dans différents avions, transports, dans un jet, quoi. Pas dans un gros avion. Il y a de l'argent qui transitait et qui n'a pas pu être livré. Je sais pas, j'ai pas écouté vraiment cette affaire, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore, on ne sait pas encore tout. On nous dit ici que bah, les personnes qui ont touché cet argent ou qui l'auraient dû devraient profiter du moment présent, mais ne pas attendre quelque part quelque chose de mieux pour le futur, parce que leur comportement passé va leur faire payer des conséquences importantes. Donc pour moi, si on reste sur le financement libyen, on nous dit bien ici qu'il y a eu des malversations qui vont être payées. Donc d'un point de vue de la loi. Et ici, nous avons encore du pentacle négatif, puisque nous avons l'8 là qui est dessiné et qui nous apprend que c'est une période en fait où il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été masquées, qui ont été. On nous dit vraiment ouais, qu'il y a eu quelque chose de. Vous voyez sur cette carte, on a un côté un dessin propre et clair et de l'autre côté un coloriage qui déborde absolument partout. Donc on nous montre quelqu'un qui en voulait toujours plus, toujours, toujours, toujours plus, qui ne sait pas du tout se contenter de ce qu'il obtient et qui visiblement en fait, bah, à cause de ce tempérament au risque, a tout perdu, a perdu beaucoup de choses, à vouloir en avoir toujours plus, eh bien il y a eu des grosses pertes. Tout ce qu'il a fait en fait a demandé beaucoup d'efforts de négociation. Mais il y a eu une faille dans le système. Alors, on nous dit aussi avec cette carte c'est comme si pourtant il savait les risques, il y avait quelque chose de l'ordre de la maîtrise, et qui s'est quand même acharné à financer cette chose. C'est comme si on l'avait prévenu des conséquences et qu'il n'avait pas écouté. En tout cas, il aurait dû être plus prudent et vraiment ici, c'est ce qui ressort, c'est qu'il aurait dû être un peu plus à l'écoute
de personnes qui lui ont donné une certaine expertise, qui ont essayé de le prévenir. Maintenant, je pense que M. Sarkozy n'est pas une personne, par exemple, qui se remette en question, tout comme M. Kadhafi non plus. Donc, dans les deux cas, pour moi, c'est des personnes qui ne pouvaient pas certainement écouter ces conseils-là. C'était sûrement plus fort qu'eux. D'ailleurs, on a l'ermite qui suit. Alors, ici, on nous parle plutôt de quelqu'un qui aurait dû suivre son intuition et qui aurait dû rester un peu en retrait. Il a fait preuve beaucoup d'ego aussi dans cette carte. Cette carte nous indique que les choses ont été faites par ego et pas pour les bonnes raisons. En fait, on dirait que sa vie, au moment des financements, ne lui convenait pas et qu'il avait besoin d'améliorer ses gains, d'améliorer sa popularité. Pourtant, il aurait pu obtenir des résultats s'il avait accepté que les choses se passent en temps et en heure. Il a voulu accélérer des choses et malheureusement, il a été vraiment trop entouré. Il n'a pas pris le temps de réfléchir calmement. Non pas parce qu'il écoutait forcément tous ses conseillers, mais parce qu'il avait trop d'idées en tête. Et en fait, à force d'accumuler, 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 les choses sont parties complètement à volo. Là où il pensait que c'était maîtrisé, eh bien, il s'est fait avoir. En tout cas, c'est ce qui nous est montré dans ce jeu. Après, nous avons le roi de Pentacle, ici, qui est toujours à l'envers, qui nous parle d'une personne très matérialiste, d'une personne qui a énormément d'ambition aussi, hein, mais qui vit dans une espèce d'illusion de pouvoir, qui est dans une dominance un peu suprême, qui prend toujours sur ses émotions, qui prend le pas sur tout ce qui pourrait montrer une certaine faiblesse. Et on nous montre aussi que c'était un esprit qui sait très bien gérer le business, l'argent, les relations. Pour lui, c'est très important hein, de toute façon d'être une personne qui est toujours en évolution et qui peut toujours continuer d'apprendre. C'est vraiment quelqu'un qui a ce besoin de s'enrichir aussi mentalement et spirituellement et financièrement. Par contre, il a oublié quelque chose d'important. C'est de se transformer et de se transcender lui-même pour être une meilleure personne. C'est vraiment quelque chose d'humain qui lui manque. Il a beaucoup de compétences. Par contre, on nous parle ici d'une personne qui est quand même un peu à la ramasse sur le point de vue humain. Et d'ailleurs, ici, on nous dit que le passé l'a vraiment cloué au sol pendant un certain temps, hein, qu'il a eu ici. Même s'il y avait des personnes qui étaient avec lui et qui entretenaient une relation de famille, une relation amicale, eh bien, il se sentait souvent mal entouré et il a eu besoin de grandir et de changer, on va dire, plutôt que grandir, parce que je ne voudrais pas faire mauvais jeu de mots sur la taille du président Sarkozy. Mais en tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui a été mis à maturation dans un certain calme. Pour moi, on peut nous parler de la famille politique et des autres intervenants politiques mondiaux qui ont donné tous un avis par rapport à cette situation, qui ont pu le conseiller éventuellement et qui n'ont pas pourtant été de bons alliés par la suite. En fait, ils ne supportaient pas le côté trop leader de la France. Il aurait dû être plus prudent, hein. C'est vrai qu'il en a agacé plus d'un. Ici, on nous montre vraiment bah, que ses projets sont, alors pas à l'eau puisque la barque est sur le sable, mais justement qu'ils ont pris l'eau. Hein. Il n'y a vraiment plus de. Je ne sais pas à quoi a servi ce financement, si c'était pour sa campagne, certainement, mais vous voyez bien qu'au final, la cote de popularité, la présidence ne dure qu'un temps. Ici, on nous montre vraiment des efforts vains, des choses qui ont été mises en place pour rien. Stérilité de la chose. Nous avons la roue de la fortune qui arrive dans le bon sens cette fois-ci et qui nous annonce que le destin était plutôt de son côté, que ses financements devaient se passer sous les meilleurs auspices et que tout avait été prévu et plutôt bien fait. Il avait quand même obtenu de l'aide et des cadeaux visiblement de grandes proportions. Une preuve aussi de soutien dans ses actions. Donc les choses étaient plutôt bien entamées de ce côté-là.
Et quelque chose avait été même acté, je dirais, qui devait arriver un peu avant. Alors, je ne sais pas si c'est avant le décès de M. Kadhafi ou qui aurait dû arriver et qui ne s'est pas produit et qui a créé le problème, en fait, entre M. Kadhafi et le reste du monde. Qu'est-ce que les cartes d'à côté peuvent me dire? Alors, il y a l'enfant du dessus qui s'est mis à hurler. Je pense que vous l'entendez, je suis désolée. Moi, j'essaye de ne pas l'entendre, mais je n'y arrive toujours pas. Vous entendez? C'est obligé, vous l'entendez, c'est affreux. Donc là, on me dit, et c'est difficile de rester concentré en plus, je vous assure. Donc là, dans le financement, je voulais regarder avec la carte qui suivait si on avait des informations de ce qui avait été plus compliqué, de ce qui avait fait en sorte que ça se passe mal, voir si c'était avant ou après le décès de M. Kadhafi. Et avec la réponse qui arrive derrière, on nous dit qu'il a sous-estimé les difficultés en fait. Il a pris des décisions, M. Kadhafi, et ça lui a été fatal. Il a pensé en fait qu'avant de partir de ses responsabilités politiques, il n'y avait pas besoin de se préparer. Il avait pris la confiance, voilà. Et du coup, ça lui a vraiment été préjudiciable. Et on nous dit qu'il n'aurait pas dû croire à tout ce qui était dit autour de lui. Les obstacles, par exemple, qu'on lui présentait, eh bien, n'étaient pas les bons. On a détourné son attention des choses réellement importantes. Il n'a pas été, au moment de ses tractations financières, en tout cas, il n'a pas vu le traquenard arriver, si j'ose dire. Et pourtant, il avait quand même une certaine forme de confiance, hein, envers la France. Il ne s'est pas écouté. Alors c'est comme si d'un point de vue humain, il avait ressenti qu'il allait se faire avoir et que derrière les bons aspects de sa relation sûrement avec le président, il s'est fait complètement avoir. Bon, je ne vais pas continuer avec celui-ci. Je vais terminer ce jeu avec... Excusez-moi, je vais prendre tout de suite le jeu de Joséphine pour poser la question dernière au sujet du financement libyen. Est-ce que des peines de justice vont être rendues? On va regarder. Moi, je n'ai pas du tout suivi l'affaire. C'est des procès qui ne m'intéressent pas du tout. Je trouve ça toujours pitoyable de voir des anciens présidents devant des... D'autant plus des présidents qui sont avocats, hein, il me semble, amenés à comparaître pour des choses qui sont graves et que si nous, petit peuple, avions commis, eh bien, nous serions certainement envoyés pour des années et des années et des années au trou. Mais en réalité, ben, j'ai l'impression que quand il s'agit d'hommes puissants, eh bien, il ne se passe jamais bien grand-chose. Et que les peines ne sont pas toujours bien effectuées, semble-t-il. Hein. Moi, je ne vis pas avec eux, ils ont peut-être des bracelets électroniques, mais bon, ils ont une certaine liberté. Je suis pas sûre qu'à Fleury-Mérogis, les gens soient traités tous de cette façon, quoi. J'ai un petit doute à ce niveau-là. Ça vaudrait le coup de faire des reportages à ce sujet. Si certains ont des chaînes à me proposer, n'hésitez pas. Allez, je vais partir sur le jeu de 13 cartes qui est quand même un peu plus intéressant. Allez, on va demander si des personnes vont être interpellées. Alors là, je vais prendre déjà 3 cartes pour commencer. Oh là là. Alors, il n'y aura pas de nouvelles interpellations. Par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir un contrat qui va être fait. Alors, on nous parle d'un contrat, oui, d'un contrat qui sera lourd de conséquences. Donc, je pense clairement, on peut nous parler de ce fameux contrat libyen. C'est quelque chose qui a été mis en place, c'est quelque chose qui a été acté, réfléchi et qui a apporté du succès et du bonheur. Et qui a donné surtout une grande victoire sur l'adversité. Ici, avec la dernière carte, donc le 10, hein, qui ressort et qui ressort retourné, on nous dit que
des choses qui ont été faites dans le plus grand secret. Des transactions secrètes, on nous parle aussi ici de liaisons entre les deux États qui ont été complètement cachées. Donc, bon, assez clair. Et comme je vous le disais, je vais faire un tirage à 13 cartes, financement, qui vient. C'est vrai que moi, je propose des sujets parfois qui m'intéressent beaucoup par leur... comme l'adrénochrome, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Pas que, hein, mais le Bilderberg, d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Après, les hommes politiques français, c'est plus délicat parce que c'est vrai que comme beaucoup de monde, je pense aujourd'hui, j'ai du mal à leur accorder ma confiance. J'ai du mal à croire ce qu'ils nous disent et j'ai du mal vraiment à croire à la sincérité. Et c'est là où ça va perdre la France, c'est quand les gens n'ont plus confiance du tout en quoi que ce soit dans les laboratoires, dans les industries, dans la présidence, ça devient vraiment pas bon signe, quoi. Parce que s'il n'y a plus de lutte commune pour une cause commune, c'est là où on se perd tous, hein. Donc comme je le disais, les choses ont été faites dans le plus grand secret, hein, on est retombé sur ce 10 retourné. Et avec le 7 de trèfle, eh bien, on nous parle plutôt de réflexion. Donc le contrat, la chose qui a été faite sur plusieurs semaines, et je dirais même sur plusieurs saisons. Donc il y a eu des choses qui ont été décidées vraiment au préalable et qui ont été mûrement réfléchies. Donc il n'y a pas eu d'action fortuite, hein, dans ce financement. Tout était largement mesuré comme conséquence. La dame qui arrive retournée, cette fameuse dame de pique, qui nous annonce toujours une certaine forme d'indépendance. On nous parle peut-être ici d'une femme. En tout cas, si c'est une femme, c'est une entrepreneuse qui serait plutôt en freelance et qui aurait pu servir de personnes pour négocier ce contrat. On nous parle d'une personne qui aurait un cabinet à elle et qui serait une personne vraiment douée en affaires, qui est relativement forte, hein, je dirais vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Alors ça peut être par exemple une avocate, une juriste, une comptable, enfin quelqu'un qui est quand même très pro dans son domaine et qui a gagné beaucoup d'argent avec ça. Pour elle, ça a été la fin des difficultés. Donc, il y a aussi une femme dans cette affaire. Le 10 de cœur, de nouveau, avec le contrat, comme je le disais tout à l'heure, avec l'as de pique. Donc, ce 10 de cœur, ici avec l'as, nous dit qu'il y a eu un échange social, donc une vie sociale, c'est-à-dire des rencontres, en fait, hein, des rencontres, des échanges téléphoniques. On nous parle d'un réseau professionnel. Et on nous parle parfois de relations compliquées. On nous dit que c'était des relations qui pouvaient être interrompues pendant de longs moments. Donc les choses ne se sont pas faites facilement. Et c'est vrai, hein, je l'ai déjà eu tout à l'heure, mais ça se confirme, quoi. Donc là, bon, on a le roi de trèfle, le valet de cœur. Donc on part vraiment plus sur la partie négo. Ce roi de trèfle représente l'un des participants au contrat, le plus âgé, donc je vous laisserai deviner qui c'était à l'époque, et le valet de cœur représente la personne plus jeune. Je vous laisserai voir qui c'était à l'époque. La personne plus âgée, ici, est une personne qui s'est toujours montrée relativement forte dans les difficultés. C'était une personne qui était plutôt... jugée comme compétente. Alors, je sais que je vais faire crier, hurler certaines personnes. Je ne dis pas que c'était quelqu'un de pacifiste ou de je ne sais quoi de positif. Je dis simplement qu'il menait le peuple d'une façon qui rassurait certaines autres personnes. Ça veut donc dire qu'il rendait service à d'autres pays de par sa manière à lui de gérer les choses. J'espère que vous comprendrez. Nous avons donc cette personne qui est accompagnée d'un homme plus jeune, et cet homme plus jeune, c'est plutôt quelqu'un qui
sait se montrer très, très, très éloquent, une personne qui saurait se montrer réconfortante, qui se présente comme une oreille attentive, plutôt généreuse, mais qui fait un prêté pour un rendu. C'est quelqu'un qui trompe le monde derrière cette façade de générosité. Oh bah. Alors, l'huile de trèfle retournée me fait sourire puisqu'ici, on nous parle de petits gains, on nous parle d'argent en fait. Donc, on nous dit que tout était OK et qu'il y a eu un vrai dédommagement financier, quelque chose qui est tombé et qui a été rentable. On nous dit vraiment ici qu'il y a eu une somme d'argent très, 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 très conséquente. Et avec le 7, on nous parle vraiment de conflit. Pour moi, il y a eu, donc, je sais pas, c'est bizarre parce qu'il aurait volé cet argent. Oui, car en quelque sorte, il l'a volé, oui. Il ne l'a jamais rendu, en tout cas, et Monsieur Kadhafi est mort. Donc oui, en fait, ça a un certain sens ce que je vous dis. Oui, je comprends. En tout cas, aujourd'hui, cette carte-là, c'est la carte du conflit, de la colère, des événements négatifs et violents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'aurais que de cesse de conseiller à Monsieur Sarkozy de faire attention à ses arrières. Le 8 de carreau et le 10 de carreau. Ok, donc là, on part sur la partie plutôt contractuelle, étatique. Ce 8 ici nous parle de démarches qui sont liées à des déplacements. Là, on est sur du déplacement, des visites professionnelles. On est toujours dans le cadre professionnel ici. Des visites qui sont plutôt liées à. Ah oui, hein. Il y a un voyage à l'étranger qui a été prévu à ce moment-là. On a présenté des choses comme si c'était des vacances, quelque chose qui n'était pas étatique, une rencontre qui a eu lieu, qui n'a pas été présentée dans le sens des responsabilités qui incombaient à chacun des personnages, peut-être pendant une période d'été, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui a eu lieu, qui était en réalité professionnel et qui a eu lieu pendant un déplacement, une visite, un voyage. Une période peut-être considérée comme de congé ou peut-être une période où Monsieur Kadhafi était venu en France pour une visite diplomatique, peut-être. Cette carte ici symbolise le succès et le bonheur. Donc on voit qu'il y a eu une véritable victoire sur ce qui était considéré comme l'adversité et que les fonds ont été partiellement, en tout cas, versés. Pour moi, il y avait encore de l'argent qui devait arriver et qui n'a pas pu être transmis. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère également ne pas avoir choqué trop les bien-pensants des grandes tendances politiques de ce monde. Je ne parle que de faits supposés. Je ne parle absolument pas au nom de la justice. Et comme je n'aurai de cesse de le répéter, vous êtes ici sur une chaîne que j'ai volontairement positionnée comme divertissement et non pas information ou actualité. Merci d'être présent avec tous vos commentaires, vos retours qui sont passionnants, les idées que vous me proposez, dont je prends vraiment, vraiment note et qui vont être publiées de toute façon, croyez-moi, dans les jours à venir. Je vous remercie parce que j'ai eu plein, plein, plein d'affaires que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est super intéressant aussi. Donc merci encore. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage beaucoup et ça montre que ce que je peux vous proposer vous convient, vous plaît. Et si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir également sur Instagram, sur lequel vous pouvez me retrouver au nom de l'intrigante tout attachée. Et sur Facebook, où je suis également présente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.